avons actuellement trois modèles, la NT30, la NT42, la NT60 qui est ici, avec un moteur de 60 chevaux, et nous avons la NT80 qui sort pour 2015 avec une puissance de 80 chevaux. Donc cette particularité de machine qui est ici, que je disais, donc on a le tambour là, il va prendre les fruits et va gaver le tapis élévateur. Les pommes arrivent sur un autre tapis transversal où il y a une soufflerie puissante qui élimine tous les déchets. Et ensuite, les pommes sont convoyées par le tapis dans un conteneur de 1700 kg. Hauteur de bainage 2,80 m. Cette machine-là donc, est entièrement hydrostatique. Elle est équipée de 4 roues motrices avec des moteurs Poquelin hydrauliques. Et toutes les commandes également, comme toute la gamme Chrome, sont commandes manuelles. Donc nous n'avons pas de système électrique ni électronique sur cette machine. Donc à l'avant, nous avons deux andenneurs qui sont là pour guider les pommes de gauche à droite de façon à ce que les roues puissent passer et en même temps alimenter le tambour de ramassage. C'est ce qui fait que si nous avons des rangées qui sont très longues, eh bien on peut arrêter de ramasser et la machine va sortir au bout du rang de manière à pouvoir vider le conteneur. Ça c'est très important. Jamais de marche arrière dans les allées avec ce système. Le poste de conduite donc est très agréable et surélevé, on a une vue vraiment totale du travail. Également, sur le côté droit, nous avons une souffleuse qui permet au dernier passage d'éliminer les fruits pour la ranger d'à côté. Une souffleuse qui est très puissante.